Oui, Daniel. Alors, nous avec Christian, on a expliqué que c'est moi qui ai payé l'émission, c'est moi qui ai fait l'émission. Et on ne peut pas attendre si bon qualité, mon frère. Daniel, on sait que Bob Marley, tu es joué au Bourget. Où tu es là? Oui, nous faisons les pavillons de Paris à Pantin, c'est les grandes salles qui étaient nées, et au Bourget et Orange. Nous faisons trois grands spectacles là, ça. Mais, vous savez, là, vous avez déjà joué. On l'a côté. Premier monde qui a acheté les droits à ces 10 ans, nous avons représenté à la maison, au clé au midem de Cannes. C'est les Japonais. Donc évidemment, nous partions à la jouer aussi. Puisque, bon, donc nous avons fait le tour du monde, nous avons dit, bon, les hommes, nous en pointe, nous allons descendre en Guadeloupe. Attends. Est-ce que, parce que là, on fait le tour du monde. Là, ça veut dire que, selon ça, c'est avec groupe Toum Black ou groupe Toum Black. Tout groupe Toum Black. Parce que si on a une bonne mémoire, c'était soit groupe Toum Black ou soit Kassav. Expliquez-moi qui j'en s'est passé. Il faut rentrer dans le gros dossier, nous, là, pour nous parler. Alors, Adam Maison Barclay, justement, Jocelyne Béouard, chanteuse en nous. Il a enregistré avec nous à Kabaoclé. Et tout de suite après, nous tenions un contrat pour partir avec les Rolling Stones. Nous tenions un contrat pour partir avec les Rolling Stones. Les Rolling Stones. Hein? Rolling Stones. Ouais. Mais nous partait, tout le monde partait professionnel dans le groupe-là. Mais vous voyez, les autres font étude. Vous voyez, certainement, ils ont fait étude. Continuez. C'est ça, ils ont fait étude. Tout le monde pas professionnel, ni le monde qui a qu'à travailler. Nous qui a travail, donc il fait contrat là, ou savent ni moun qui dit non, yo pas parti, yo peut pas parti, donc groupe là commence à dégrainer, puisque ni ça qui d'actualité m'a déposé et mis à disposition en moins, en travail en moins, tout ça, et mais li, la moitié groupe pas te voulait parti. Marcel devait partir ou pas? Marcel devait partir. Marcel, bonjour. Non, mais ça t'est terrible parce qu'en cas où ça a frissonné, puisque, et c'est ça qui décidément entre en Guadeloupe. Hein. Puisqu'on dit, ah, si vous ne nous pas sauter là, nous ne pouvons pas aller, pendant un an, quand j'étais en Guadeloupe, tu finis l'étude, tu commences un travail pendant, en tant que professeur pendant 3 mois. Et en déposé de disposition. On dit, non, qui reprend l'enseignement après. On était paré à partir, on a gardé sa vie de capoté, on a commencé à déposer le dossier, tout bien, on n'a pas travaillé encore. D'accord. Et a dit, après ça, on a attrapé le problème, madame, divorcée, on a dit, on rentre en Guadeloupe, définitivement. Tout le monde dit, moi, mon père était en Guadeloupe, on dit, c'est payé en moins, et c'est moi qui décidais de rentrer, après mon qui voyait moi. C'est payé en moins, c'est moi qui décidais de rentrer. Alors là, on va être en Guadeloupe, il y a une anecdote que personnellement vive, parce que, on te connaît Daniel Lozio de nom, mais un petit vrai de visu, de visage. Et tenu anniversaire, premier anniversaire, à mort à Christian Aigle, à Casson Géoté là, et au Vin Marqué. Mais ça qui a un grand homme qui a marqué, mais il a gardé ces petits grands hommes là pour savoir si il a bien joué, qu'il a fait attention à tout le bitin là. Ça. Ou quoi son gestion en bas véranda à Christian Aigle? A Casson ça bien. Pourquoi? Parce que, comme Adam Toum Black, effectivement, base en nous, c'était gros cas. Mais nous pas jamais dit que nous avons joué gros cas. Nous et le monde pas comprendre quand nous avons dit, nous sommes un groupe de percussionnistes antillais. Donc nous avons joué percussion. Puisqu'il n'y a pas l'émotion noire, il n'y a pas les roses, noire, il n'y a pas Kaladja, c'est frisson, incantation, invocation. Et le monde pas comprendre ça. Ouais, et c'est comme ça. Vous voyez Roche, sinon ici en Guadeloupe, nous voyons Roche sérieux. Oui. En Dieu, nous avons joué tout partout dans le monde. Nous disons, nous avons fait un spectacle. En payant nous, nous avons porté. Et ni grand homme. Qui dit nous ça après, il dit nous mentir à dents. Parce qu'on ne pas comprendre ce qu'on a fait. Parce qu'à l'époque là, ça, c'était les revendications, c'était Bitat et chaud. Oui, Bitat et chaud. Et nous avons dénigré la musique. Pour eux, nous avons dénigré la musique là, parce que. Goka, c'est pas ça. Mais nous pas dit nous avons joué Goka, nous dit nous avons joué percussion. Il a insisté souvent en laissant dire que le tambour K, c'est un instrument de musique. On ne peut pas imposer moins de jouer parce qu'on a un instrument K de jouer Goka. Ouais. C'est un instrument de percussion. Et le monde ne comprend pas ça, vous voyez, ça te raide. Ça te raide. Ça te raide. Nous plairait. Hein? Ni monde qui a dit, mais qui j'ai eu à duler nous de l'autre côté, nous avons vu la case en nous. Jouer et tenir le monde. Est-ce que c'était mouvance nationaliste ou indépendantiste de l'époque?
C'était ça, mais Patin qui sait, c'est là où venons mouvement. Comme nous avons dit, là, mon grand gouffre de ça, c'est ça qui l'a moi depuis le monde qui a revendiqué. Mais nous avons revendiqué en gens nous. Mais pour eux, c'est un beau cas, c'est gros cas, obligatoirement. Et après là, ils ont fait le festival Saint-Anne. Après, ils ont dit ça, ils ont dit que ça arrive nous, mais ils n'ont pas compris direction en nous. Et nous avons fait un travail important, évolution, parce que déjà, il y a une évolution beaucoup plus importante. Et. Pourquoi on a fait attention à ces grands hommes-là? Parce que l'empathie a joué un petit peu avec eux. Mais on a joué aux gens. Mais là, on a croisé d'autres gens. Systématiquement, quand on le veut ou pas, ou quand il veut lui dans un sens ou dans d'autres sens. C'est bien qu'on a joué, mais qu'on a gardé, surtout à côté de moi, Mira. Mira, c'est un métronome. C'est, oui, pour moi, c'est un plus grand boula. En machine. Bouga là, il y a barbide. Alors, quand regardez, est-ce qu'un dans le vrai a marqué? Mais oui, mais. Vous savez, il y a des gens qui suivent moi et de temps en temps, il y a des gens qui ont choqué au pape. Et, mais ça, ça était fort et ça était important pour moi de venir là, non seulement montrer ça en café, mais en même temps, respecter ça, c'est pour moi. Parce que c'est important. Et les voisins, sans raison, ça, c'était le premier à Pont-Lonné à moi, Christelle. En t'es venu en stop, personnellement, t'es sorti résé en venu en stop là. Et en est, on peut dire, 18 ans, entre 16 et 18 ans, pas à songer. Et une particularité là, ça, qu'est-ce qui a passé, un bon bitin simple, en Ravonbourg, en dans les roses là, au moment donné, qu'a monté en batterie. Mais pour, c'est pourquoi pas dire ailleurs. Hein? Il y aura monté derrière Tamboula, pourquoi tu as monté, après, il dit qu'il y a monté batterie. Hein? Et là, il finit de monter, il dit, démonter batterie là. Gentiment, c'est pourquoi pas faire quoi là? Il dit démonter batterie là. On note particularité à l'Iroza, ça en passe à ce qu'on a songé. Le monde qui a dit panier la mort, quand on est arrivé avec la bande à Michel, tout groupe là, et quoi, voici monsieur qui a dit prends place, nous rotons tambour, il rotons tambour à eux, et ils mettent. Des belles photos à. Ou quoi, ouais. Alors nous, quand on a un petit pause, nous allons continuer parce que avec ces deux grands invités là, en cas quoi, il faut une semaine et semaine. Parce que c'est messieurs ont un parcours extraordinaire, encore rappelé nous à eux. Christian Lavizeau, grand maître, guitariste, il n'a pas aimé qu'il dit ça même, parce qu'elle fait un bon nom Valéa. Et Daniel Lozion, grand maître qui fréquentait ces gens-là, ces grands gens-là. Ils ont tant de parcours, ouais. Rolling Stone, Bob Marley, Eddie Barclay, pour les gens qui connaissent qui sont Eddie Barclay, attention, faut gros cas, reprend dimension là sans pays Guadeloupe. Nous, comme Marocain, on pose. Premier groupe à Marocain qui passe à l'Olympia. Timbal.